Le premier ministre slovaque Robert Fico se trouve dans un état stable, mais toujours très grave ce matin, après avoir été gravement blessé par balle. D'ailleurs, la scène a été captée par les caméras qui se trouvaient sur place. Les médecins ont réussi à stabiliser l'état du premier ministre slovaque. Dans les dernières heures, le dirigeant de 59 ans a subi une opération de 5 heures après l'agression. Robert Fico a été touché par balle plusieurs fois hier. L'attentat a suscité une vive émotion dans le pays d'Europe centrale et une vague de condamnation internationale. La police a arrêté sur place l'assaillant présumé, un homme de 71 ans sur lequel on ne sait pas grand-chose. Il a été identifié par des médias slovaques comme un écrivain local et on n'a pas idée pour l'instant de ses motivations.